Bonjour la famille, yo les amis, j'espère que vous allez bien. Et yo les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo rien que sur le make-up aujourd'hui. Parce que j'avais très envie et ça fait très 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 longtemps que je voulais faire présentation des produits de make-up pour les gens qui voulaient faire nos ongles à la maison, que d'aller voir une prothésiste angulaire et que de payer une certainement fort de prix au niveau de la prestation. Donc je vais vous faire montrer tout de suite les produits qu'on a besoin. Par contre, je suis vraiment désolée qu'on va attendre un tout petit peu de fond derrière parce que à cause de la pluie dehors, il y a des voitures qui passent devant chez moi. C'est juste pour vous prévenir que je suis vraiment désolée parce que là, chez moi, c'est pas un temps top top top. Il pleut, les routes sont mouillées devant chez moi. Donc ça va passer, les voitures vont passer et voilà. J'espère que vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en bas. Donc c'est Morgan Makeup, voilà. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, des commentaires, activer la cloche juste en bas. Et pour avoir plus de notifications pour les vidéos que vous puissiez avoir. Des notifications quand à chaque fois que je mets une vidéo, ça va directement être sur votre notification en haut de votre téléphone. Donc voilà, n'hésitez pas de vous abonner s'il vous plaît parce que en ce moment j'aime bien faire des vidéos avec vous et partager. Et bientôt je ferai un estour de mon coin où je travaille. Donc alors on y va tout de suite, on va vous présenter je vais vous présenter les produits pour les produits de prothésistes pour les commençants, les débutants et ceux qui sont la passion. Donc moi pour tout, avant de commencer, je vais vous dire que en tant que prothésiste ongulaire, c'est vraiment ma passion. J'ai pas passé de formation et j'ai juste regardé sur YouTube les tutos, mais ça n'empêche pas aussi avoir beaucoup d'entraînement pour acquérir les connaissances. Donc voilà. Donc on commence tout de suite et je vous dis à tout de suite. Voici le matériel que vous aurez besoin. Je vais vous expliquer tout à l'heure comme un par un au niveau des produits de cosmétiques que vous aurez besoin. Vraiment, je vais vous expliquer. Donc voilà les produits qu'on a besoin pour les produits pour les ongles, pour prothésistes angulaires. Je reviens tout de suite pour vous expliquer. Donc je vais vous faire montrer les produits pour comment faire ses ongles, quels produits qu'on a besoin, les choses qu'on a besoin pour faire les ongles en tant que prothésiste angulaire. Donc on a besoin le cleaner. Le cleaner, ça sert à dégraisser et à enlever la poussière. Et aussi, si vous n'avez pas de désinfectant, tout de suite, si vous venez de commencer en tant que débutant, vous pouvez aussi nettoyer votre matériel. Et par contre, je l'ai acheté à Ongle Mode, 15 euros, voilà, 15 euros le 100... 100 le millilitre, donc ça fait 1 kilo, ça va faire 1 kilo, hein. Ça fait 1 litre, hein. Ça fait 1 litre de cleaner, voilà. Et sur Ongle Mode, je mettrai la barre de description sur le site. Vous avez d'autres parfums de cleaner, mais moi quand je l'avais commandé, il n'y avait pas d'autres parfums, il n'y avait que celui-là en fait. Donc il est très efficace et ça fait vraiment vraiment très longtemps que je l'ai et je m'en sers plutôt pas mal, hein, voilà. Donc je vais vous faire montrer autre chose. Donc c'est des petits cotons comme ceci. Et en fait je l'ai acheté le paquet de 500. Je l'ai acheté à AliExpress pour environ 2 euros, 3 euros.
Ça vaut le coup, et comme je m'en sers beaucoup, beaucoup, vraiment là, je suis presque à la fin du paquet. Vraiment, je suis presque à la fin du paquet, et ça m'a duré vraiment très longtemps. Et je vous recommande d'acheter. Ah non, en fait, c'est pas 500 pièces, c'est 1000 pièces. Je l'ai acheté 1000 pièces à AliExpress, et entre 2 euros, 3 euros le paquet. Donc je vous recommande de l'acheter sur AliExpress. Et là, je suis bientôt arrivée presque à la fin du paquet. Donc je vais bientôt m'en racheter parce que c'est la période printanière et été. Bientôt, je vais refaire mes ongles. Mais en ce moment, je l'ai fait, mais j'aime pas les laisser trop longtemps parce qu'après l'ongle il est trop trop mou, trop molle. Comme je reviens de ça, donc je vais vous présenter un pédissage de huile de fortifiante que je l'ai acheté un magasin, mais je m'en rappelle plus du tout. Et le magasin il est juste à côté de mon domicile. Donc voilà, et ça durcit l'ongle, ça donne des vitamines à l'ongle. Donc voilà, et je vous le recommande. Par contre, si vous faites l'huile fortifiante, il faut mettre pendant 15 jours. 15 jours, alors ça veut dire pas de vernis pendant 15 jours. Il faut faire le traitement de cette huile fortifiante. C'est l'huile de fortifiant de pédiguisage que je vous recommande. Il faut le faire comment vous expliquer le traitement pendant 15 jours pour avoir des ongles très 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 durs, hein, fortifiés. Donc voilà. Je voulais passer à autre chose. Je voulais présenter, c'est le même magasin que j'ai acheté l'huile de fortifiant. Donc c'est le primer doux Extra Bond. Donc c'est la marque Juliana Ness. Il est très top et c'est pas un primer qui est agressif. C'est un primer qui est très 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 doux et je vous le recommande formellement. Je vous le recommande formellement. Voilà. Et c'est un primer qui est trop bien. Donc il est trop bien et je l'ai beaucoup testé, je l'ai beaucoup utilisé et il est trop top. Je voulais vous présenter ces deux produits-là que je les ai achetés sur AliExpress. C'est 1,10 € la pièce pour une seule, mais moi j'ai pris en lot en fait, j'en ai pris les deux, donc c'était 1,20 € sur AliExpress. Donc là, on a la base, donc c'est basse côte, mais on dit la base de 99, la marque 99 Messing. Voilà, ça fait longtemps que je l'utilise. Et le 99 Messing top coat que j'ai aussi acheté avec le basse côte. Donc ça, c'est pour la finition brillante. Ça permet de tenir la couleur, et je vous le recommande formellement. Je peux vous faire montrer la texture, mais c'est vous voyez la texture, je vous fais montrer. C'est voilà, ça c'est pas liquide. C'est par contre, je vous conseille de pas en mettre beaucoup beaucoup parce qu'après, quand vous limez, après ça va faire un trop bombé sur l'ongle entre le chablon et la capsule. Donc voilà, je voulais vous montrer le chablon. Alors le chablon, je l'ai acheté sur AliExpress pour 3 euros. Oui, 3 euros. 3 euros, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur AliExpress. C'est chablon. Donc il y avait 100 pièces. Mais là, je l'ai utilisé pas mal. Et là, en ce moment, je l'utilise presque pas. Parce que j'ai pas un gel liquide. Voilà, liquide pour travailler sur le chablon. Et en ce moment, j'utilise beaucoup les capsules. Donc, je vais vous faire une présentation des capsules. Des capsules. Alors les capsules, ça je les ai eues sur Wish, mais
ces capsules-là, elles se cassent facilement et ça bouge énormément ces capsules-là. Je peux recommander, mais si vous avez des ongles comme moi assez grands et que vous les mangez pas du tout, je recommande ces capsules-là pour les ongles qu'ils ont, les gens qui mangent leurs ongles et ils ont les ongles un petit peu plus petits. Donc je recommande ceux-là qu'ils ont les ongles un peu plus petits, voilà. Et c'est très efficace à travailler. Et moi, je prends les capsules de pégélissage parce que j'ai des j'ai les gros ongles et plus volumineux et je peux mettre toutes les capsules que je souhaite mettre. Donc c'est des capsules pégélissage pour 250 pièces, pégélissage en haut. Et je l'ai pas acheté sur les sites, je l'ai eu sur le Facebook. Facebook parce qu'il y a une personne qui l'avait, qui n'en voulait plus, donc je l'ai attrapé directement cet article-là et je le recommande formellement. Donc je vais vous faire montrer un petit peu au niveau de dans la boîte sans faire tomber les capsules. Donc voilà les capsules, comment ils sont à l'intérieur. Donc voilà. Et je vous recommande pour les gens qui ont des ongles assez plus, on va dire, espacés, comme mes ongles, vous voyez mes ongles, ils sont un peu plus espacés et mes ongles, ils sont un peu plus grands. Parce que j'ai jamais mangé mes ongles, je touche pas mes ongles, voilà. Et je recommande si ils ont les gens, ils ont des ongles comme moi. Donc voilà. Je voulais vous dire que aussi j'ai deux petits coupons. Donc j'ai le petit bébé coupon, ça sert, c'est très 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 bien pour les gens qui ont des tout petits ongles. Et aussi ça sert aussi, je m'en sers aussi pour enlever les petites bouts de peau, les bouts de peau sur le côté et en dessous, les titicules, je m'en sers beaucoup parce que j'aime pas arracher avec les ciseaux parce que les ciseaux, on dit que ça coupe, mais bon, ça coupe pas si bien que ça. Et j'ai le grand coupon qui me sert à couper mes ongles avant la prestation de mettre mes capsules. Donc voilà, donc celui-là je l'ai acheté, celui-là j'avais déjà un lot que j'avais commandé, mais bon... je m'en sers quand même, mais ça dépend des jours quand je fais mes ongles. Et ce petit ciseau là pour les titicules et les peaux mortes qui me servent, ou pour couper les extrémités des capsules. Donc je peux vous en faire montrer un comment on fait. Bientôt il y aura une vidéo de tuto comment on met la pose capsule sur les ongles. Je vais en vous faire montrer un plus gros. Donc vous prenez, bientôt il y aura une vidéo pour les poses capsules, bientôt quand mes ongles seront un peu plus durs, parce que là c'est un peu mou, vous voyez hein, c'est un peu mou hein. C'est encore un petit peu plus mou. Donc, on va prendre la capsule. Je vais vous faire montrer de près. Donc, vous voyez le petit ciseau. On coupe les extrémités comme ceci. Voilà. Comme ceci. Alors, pourquoi on en coupe les extrémités comme ceci? C'est parce qu'en fait, pour mettre la capsule, vous voyez par exemple... Pour la capsule comme ça, en fait, il y a certains doigts que... Il y a certains doigts, par exemple... oui, par exemple, celui-là, vous voyez, ça dépasse, en fait. Je suis obligée de couper les extrémités. Après, ça dépend la forme de l'ongle de vous. Hein. Donc, ce ciseau, il est très utile. Je l'ai acheté à Primark pour 1,50€.
Et vraiment, il est trop bien. Je l'aime bien. Et puis au niveau sa couleur, il est très bien. Par contre, j'ai déjà désinfecté avec de l'alcool 90. Ça ne bouge pas. J'ai déjà désinfecté avec le cleaner. Ça ne bouge pas. Vraiment, je vous le recommande. Ce petit ciseau-là, je vous le recommande. Alors, cette colle-là, je l'ai. Cette colle-là, c'est pour la colle pour coller des strass, pour coller les capsules. Je vous le recommande. Je l'ai acheté à Ongle Mode. Je l'ai acheté à Ongle Mode et je vous le recommande formellement. Donc, voilà, je vous le recommande formellement. Donc voilà, je vous mettrai la barre description, le lien de la boutique Ongle Mode et là en bas de la description, le lien de AliExpress. Comme ça, vous pourriez. Donc, je vous ai oublié de parler, la nicotine, c'est pour couper les capsules. Donc, vous rentrez votre capsule là et vous appuyez et voilà, ça coupe. Allez dessus. Par contre, n'oubliez pas de mettre, à chaque fois si vous allez à AliExpress, mettre prothésiste manicure, ça marche immédiatement, vous avez tous les produits. Et aussi, n'hésitez pas aussi l'aller à Primark, aussi, n'hésitez pas l'aller à Primark. Là, en ce moment, Primark, c'est fermé, mais j'espère que bientôt, que Primark va ouvrir et bientôt, il y aura une vidéo. Pour qu'on sera dans le magasin de Primark, il y aura un chalet, un challenge à respecter, c'est 50 euros d'achat. Je dois faire 50 euros et pas dépasser 50 euros et je serai pas filmée. Moi, je filmerai pas, mais il y aura quelqu'un qui filmera à ma place. Donc voilà. Alors les blocs de polissoir, c'est j'en ai deux, ceux-là ils sont bien, très bien utilisés, donc là ils deviennent assez, assez au niveau mou et ils sont aussi doux comme celui-là, mais celui-là je m'en sers presque pas. Et ceux-là je les ai achetés, il y a un lot de trois, je les ai achetés à Primark pour 2 euros. Oui, 2 euros. Je les ai achetés pour 2 euros. Et vraiment, ils sont trop, trop bien. Je pensais pas que Primark allait faire des blocs polissoirs pour la manicure. Mais vraiment, ils font de tout. Et c'est trop top. Donc, voilà. Alors, je voulais vous en parler aussi des limes. Alors là, c'est un lime de banane de 100. Granulé de 100, 180, 180. Donc c'est, moi je m'en sers beaucoup, c'est pour faire des formes au bout des ongles. Je m'en sers beaucoup. Et aussi je voulais faire montrer celle-ci, c'est une lime de face dure de 100, 100, 180 au niveau le grain. Voilà. Et ça c'est des petites limes que j'avais achetées à avec des blocs comme ça pour ranger les limes comme ça sur à Primark pour 2,50 €. Voilà, 2,50 € pour cela. J'en l'avais et après plus tard j'en l'avais acheté d'autres pour plus tard. Voilà. Et puis voilà, j'ai acheté ça. Ces deux-là, je les ai achetés sur Ongle Mode. C'est 100, le grain c'est 100, 180. Je l'ai acheté sur Ongle Mode et ça fait longtemps que je les ai. Par contre, je les désinfecte, mais bientôt je vais en racheter à Ongle Mode parce que ça devient, vous voyez, ça devient pas très top. Et bientôt je vais me racheter parce que bon, je l'utilise que pour moi. Ceux-là, je l'utilise que pour moi. Ceux-là, je l'utilise pour moi, mais quand il y a des gens qui veulent faire des ongles, je les désinfecte directement au soir à la colle 90 pure. Et après, je rince à l'eau. Et après, je nettoie au savon. Donc, voilà. Je voulais faire montrer aussi le HD Neu. C'est un, comment dire, un gel construction.
Et là, il y a 50. Là, il y a 50 millilitres que vous voyez. J'espère que vous le voyez. Bon, j'essaie de vous faire montrer un focus, mais il y aura un focus jusqu'à à côté. Donc là, il y a un jet de construction que j'ai acheté chez Anglemone. J'en avais un plus petit pot, c'est 15 millilitres. J'avais pris pour ça, pour tester. Et en fait, ça marche très très bien. Je l'aime beaucoup. C'est pas liquide, c'est un peu compact. Donc ça, c'est très bien d'avoir y pensé comme ça. Et vous voyez, à l'intérieur, j'ai pas mal utilisé. Et vraiment, le concept, il est trop bien. La packaging, il est trop bien. Après, on a besoin un huile au titicule qui c'est au pic et c'est senteur fruits rouges pour les titicules en dessous de l'ongle. Il est formellement très intéressant et il y a juste à tourner la moulinette pour avoir les huiles qui descendent. Je vous le recommande. Après, on a un petit pinceau pour enlever la poussière. Pour enlever la poussière quand vous poncez, en fait. Quand vous poncez. Donc, voilà. Voilà, moi, je vous le recommande. Vous pouvez trouver sur Cosselia. Et vous pouvez retrouver aussi sur AliExpress. Un petit peu partout. Ça se vend hyper bien. Et c'est très efficace. Et vraiment. Comment dire, très efficace, hyper doux. Vous voyez, c'est hyper, très, très doux. Je vous le recommande. Alors, je voulais parler, c'est petit. Alors, je me prends à chaque fois les lignes sur moi. Je vais passer par là. Je voulais parler, ces petits pinceaux-là. Alors, c'est des petits pinceaux pour faire du nail art ou bien pour attraper les strass. C'est hyper idéal pour attraper les strass. Et vraiment, c'est très facile à nettoyer. C'est du silicone. C'est du silicone. Vous voyez, c'est du silicone. Et ça, j'ai déjà utilisé. C'est pour faire des dégradés. Voilà, j'ai déjà utilisé avec un vernis normal. Voilà. Et ceux-là, je vais vous faire montrer en même temps. Donc ces trois-là, c'est la même chose. Donc ça sert à attraper les strass, à faire du nail art. Et vraiment, c'est du silicone. Et vraiment, c'est trop top. Je voulais vous parler. Le nuancier. Alors, pourquoi vous dites, oh, il y en a beaucoup. Alors, j'en ai 60 pièces de couleur. J'en ai pile 60. Et je vais vous faire montrer dans une autre. Voilà. Ici, jusqu'ici, il y aura le plan de vue. 60 pots, il y a 60 pots de couleur que je vous ai fait montrer avec le nuancier. Par contre, le nuancier, il est très utile à faire mettre les couleurs. Donc, vous mettez vos couleurs. Alors, je vous conseille, c'est vous mettez d'abord le primer par-dessus la capsule. Pour que ça tienne bien. Après, vous mettez la couleur, deux couches, une couche de la couleur, vous mettez la base, et après, vous mettez la couleur, et après, vous mettez, comment dire, le top coat pour que ça dure plus longtemps. Et là, il y en a 60 couleurs, j'en ai 60, et vraiment, c'est des couleurs été. Il y a des couleurs d'été, il y a des couleurs de toute saison. J'aime bien regrouper comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Et comme vous expliquez, c'est aussi que j'ai fait aussi commencer à faire du nail art.
du nail art avec vous. Donc là, je me suis amusée à faire du nail art pour tester. Là, j'ai fait un autre nail art. J'ai fait un autre nail art. J'ai fait celui-là. Celui-là comme nail art. Voilà. En fait, j'aime bien faire les nail art. Et le plus compliqué que j'ai fait, c'est. Je l'ai même. Ah oui, c'est celui-là. Le plus compliqué, c'est celui-là que j'ai fait. Et vraiment, il est trop top. Je vous recommande le nuancier pour commencer. Donc, le nuancier, vous pouvez trouver sur AliExpress, vous pouvez trouver partout les nuanciers. Mais ceux-là, c'est nuancé, il y a 50 pièces. Mais en vrai, il y en a 50 pièces. Mais comme j'ai un autre nuancier, j'ai rajouté par-dessus. J'ai rajouté dans ce nuancier-là pour pas avoir deux nuanciers. Voilà. Après, je voulais recommander des petits strass que j'ai achetés. Si je me rappelle bien. Je l'ai acheté à Ongle Mode. Je l'ai acheté à Ongle Mode. Il y a plein de formes. Il y a même des petits cœurs ici pour la Saint-Valentin. Il y a toute forme, voilà, c'est trop bien. Et je vous le recommande chez. Je me rappelle plus le prix, mais je vous le recommande chez Ongle Mode. Chez Ongle Mode, je vous le recommande. Alors, chez Ongle Mode, il y a. Je crois que c'est ça. Oui, il y a ça. Chez Ongle Mode, c'est des petits strass de Swarovski que je vous le recommande. Voilà, je vous recommande. Et il y a des petites paillettes comme ceci en argent. Oups, on m'a lâché les mains. Ces petites paillettes-là que je vous recommande chez Ongle Mode. Et d'autres paillettes comme ça, mais elles sont plus fines. Hein. Celles-là, au rose, elles sont plus fines et je vous le recommande. Et ceux-là, je les ai eu, les petites paillettes, je les ai eues dans un calendrier d'Avent de Stokomani. Je vous les recommande. Et vraiment vivement le Noël prochain que vous puissiez profiter que vous puissiez avoir aussi dans le calendrier d'Avent. Après, je voulais vous voir aussi. N'oubliez pas de vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique. Donc ça, c'est un gel hydroalcoolique que j'ai acheté à Normal et pour avant de faire vos ongles, désinfecter vos mains avec du gel hydroalcoolique et ne s'oubliez pas de acheter aussi des gants de latex. Latex comme ça, vous n'avez pas les mains en côté les mains en poussière et c'est plus pratique à vous faire vos ongles. Par exemple, j'ai oublié quelque chose. Alors, on a des cultils, on a des cultils, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon, vous allez voir. Et ah oui, là on a un pouce titicule, et là aussi, c'est juste pour nettoyer les bords des ongles et aussi pour gratter le vernis qui a dépassé et vous pouvez aussi enlever les capsules rien avec ce bout-là. Donc la capsule, par exemple, on revient avec la capsule. La capsule, je l'ai mis. Par exemple, là c'est l'ongle. La capsule, elle est sur l'ongle. Vous avez posé avec le jet de construction et tout. Vous passez votre. Le bout pour enlever la capsule bien ce côté-là, vous inclinez comme ça, voilà, mais jamais arraché avec la main pure, vous découlez un tout petit peu en dessous et ça va s'enlever tout seul après. Mais surtout, n'oubliez pas de vous limer après les ongles parce que pour pas laisser la colle. Et là, on a toutes sortes de pinceaux pour jet de construction. Pour le nail art et je vous le recommande. Alors vous pouvez acheter
sur Amazon, sur AliExpress, sur Wish. Je vous le recommande formellement. Voilà. Et vraiment, c'est trop, trop bien. Donc voilà, je voulais vous faire montrer le pose-main en zébré. Donc j'ai choisi zébré, mais je l'ai eu à AliExpress pour 4 euros. Donc allez voir pour y aller. Donc pourquoi il n'est pas très bien mis? Parce que je l'ai lavé, l'autre fois je l'ai lavé parce que j'ai fait maison, il y avait plein de poussière. Et j'ai zippé, on va dire. J'ai zippé le pose-main et je l'ai enlevé au niveau de sa mousse pour mettre le tissu à la machine à laver et après je l'ai remis. Donc il y a un zippé, ça veut dire qu'il y a un zippé, ça veut dire qu'il y a une fermeture pour fermer. Je vous le recommande ceci. Alors comment on va faire pour durcir les couleurs, les matières? Donc je vais vous faire montrer la lumière UV LED. UV LED, je vais vous faire montrer. Alors, moi c'est mon tout premier. Ce que vous voyez à chaque fois à côté en haut en fait, c'est une deuxième, mais il n'y a pas. En fait, il y a les lampes, mais on n'a pas les trucs protection en bleu. Mais je pense que je vais le revendre ou donner. Et celui-là, je vais garder rien que pour moi ou je vais changer parce que vous voyez, c'est pas très propre à l'intérieur, c'est vraiment très très sale. Voilà, il fonctionne encore, mais je pense que je vais garder rien que pour moi et tout. Et rien que pour moi et tout parce qu'il fonctionne très 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 bien. Il marche hyper bien, mais quand j'ai des gens qui veulent venir me voir, ils me disent, est-ce que tu peux faire maison? Et à chaque fois, j'ai la honte. Prendre celui-là, il y a plein de gel. Il y a plein de gel, couleurs, UV. J'ai vraiment honte. Et c'est pour ça que bientôt, je vais m'en acheter un deuxième. Un deuxième, c'est uniquement pour les gens qui veulent faire des ongles et pour mettre dans ma bannette là-bas que je vais vous faire montrer tout à l'heure. Donc voilà le gel UV. Donc là, ce petit bouton, en fait, c'est quand vous... Là, il est éteint. Là, c'est pour en continuité. Et là, c'est pour vous appuyez là, vous appuyez ici. Et vous mettez votre main dedans. Et quand c'est fini, la lumière va s'éteindre toute seule. Elle va s'éteindre toute seule pour dire c'est bon, j'ai fini. Et si c'est pas encore ça, vous re-appuyez sur ce bouton-là, vraiment pour remettre la main dedans. Donc, je voulais faire montrer la petite bannette. Donc, voilà la manette que j'ai achetée à Amazon à 80 euros. Elle était en promotion, elle pèse 90 euros. C'est une manette professionnelle. Vous avez des clés pour fermer quand vous voyagez quand vous laissez quelque part. Ça, c'est très, très, très bien. Vous avez des rangements à l'intérieur. Donc, vous mettez plein de produits que vous avez besoin et vraiment c'est trop trop bien. Je vais vous faire montrer le dessous. Donc on est obligé de fermer comme ceci. On va ouvrir sur le côté pour ouvrir le deuxième étage. Donc voilà, donc ça se compose comme ceci. Donc là, je peux mettre des vernis. Là, je mettrai des vernis. En dessous, je peux mettre tout ce que je souhaite. Donc là, je peux même régler, hein. Donc là, on peut régler. Je peux enlever ça si j'ai beaucoup de vernis. Voilà, je peux enlever ça. Ou soit j'en mets deux sur le ou un sur le milieu comme ceci, ou je peux régler là, je peux régler comme je veux. Donc je remettrai tout à l'heure après quand la vidéo sera finie. Et voici le dessus que ça le dessus de la
de deuxième étage, donc on avait des rangements aussi en dessous. Et on remet on remet, donc je vais enlever le deuxième étage. Hop. Et voici le troisième étage. Donc j'ai mis les petits toits qui étaient dans le truc là-bas en attendant, parce qu'en attendant je peux pas bouger pour voir ma famille. Et ma soeur veut faire tout le temps que je fasse ses ongles. Donc voilà, j'ai commencé à acheter cette banane pour juste pour elle. Donc voilà, pour amener mon matériel. Et même si je pars en vacances, c'est très bien parce que j'ai ma banette. Voilà. Et par contre, c'est trop bien, c'est qu'elle a quatre roulettes. J'aime pas avoir deux roulettes parce qu'après, au niveau du poids. Donc c'est purement professionnel. Donc je vous mettrai la barre de description. La barre de description, le lien de cette mallette professionnelle. Donc voilà. Alors, voilà, cette vidéo vient d'être terminée pour vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, des commentaires, activer la cloche de notification pour avoir plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner parce que les abonnements, c'est gratuit. Vous pouvez suivre d'autres vidéos. Je vous mettrai le lien, la suite, le tuto de la gamme, de la nouvelle gamme de Azo Professionnel. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai mis sur Azo Professionnel le titre, c'est qu'en fait, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des tutos sur Azo Professionnel. Donc n'hésitez pas, je mettrai sur le point i en haut. Et n'hésitez pas de vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne journée. Yo la famille, yo les amis, yo les abonnés. J'espère que vous allez passer une bonne journée.